Ça, c'était M. Jean-Philippe Biron, écrivain, journaliste, économiste et l'ancien directeur de la magazine Chambre et Sénat qui est avec nous, mes chers amis. Maintenant, c'est votre tour. Vous avez la parole. Chers amis, au 08 92 23 95, vous avez la parole et j'ai le plaisir de recevoir Léa. Et Léa, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, monsieur Abassi, bien. Alors, j'avais envie de discuter un peu avec vous. Alors d'abord, en premier, ce que je vais dire, c'est qu'avec Michel et Zlata, on s'est rappelé que, bon, là, bien sûr, dimanche 21, mais on a dit... L'opéra, bon, c'est l'opéra, mais c'est place de l'opéra, parce qu'il faut faire attention, on a un Bastille, on s'est dit, oh là là, pourvu que les gens ne vont pas à la Bastille, c'est bien place de l'opéra, sur les marches de l'opéra, à 16h, dimanche 21. Excellent, excellent, c'est vrai, il y a... Allô? Oui, on est là, on est là. C'est vrai qu'il y a opéra de Bastille et il y a opéra. C'est opéra à 16h. Voilà. Sur les marches de l'opéra, place de l'opéra. C'est bien noté. C'est bien... Alors, quoi de neuf, Léa? Quoi de neuf? Est-ce que vous étiez aux Champs-Élysées dimanche passé? Sur la météo, il fait moins chaud. Je crois que tout le monde apprécie. Oui. Là, monsieur Abassi, je vous entends plus. Non, c'est bon, on vous entend bien, on vous écoute. Ah bon, voilà. Allez-y. Ça va bien, voilà, gentiment. Et c'est les vacances pour certains qui sont déjà partis, pour d'autres qui attendent de partir. Et bon, faut avoir une pensée pour ceux qui vont rester ici. Parce que c'est ça, la vie aussi, c'est de penser à ceux qui peuvent pas partir cette année. Souhaiter que dans l'année, ils partent, s'ils peuvent, voilà. Et puis voilà, je ne sais pas trop... Et il y a beaucoup de gens, Léa, qui ne partent pas. Cette oui, année, c'est moi, ça, le j'ai rencontré beaucoup de gens qui partaient chaque année, mais ils m'ont dit on ne va pas partir. Après, il y avait quelques blagues parmi, quelques plaisanteries. Et ils disaient, écoutez, moi je vais aller chez ma copine, chez mon papa, chez la famille, à droite, à gauche. Oui. Être absent pendant 2-3 semaines, soit disant que... Je suis parti en vacances. Ouais. Vraiment, ce n'est pas rigolo, mais c'est vrai que malheureusement, une grande partie des gens n'ont pas le moyen de partir. Surtout juillet, août, ça coûte trop cher partout. Même voilà, c'est ça. Le bus, billet d'autobus, normalement, certaines destinations, vous pouvez l'acheter à 15€, 17€, 20€. Le même destination actuellement, c'est 150, 140 euros. C'est cher, vraiment. C'est trop cher. Ouais. Et quand c'est moins cher, les gens ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas de vacances. Une grande partie des gens qui ont leurs vacances au mois de juillet, août, au mois de septembre, octobre, novembre, ils n'ont pas de vacances. Ils ne peuvent pas partir, surtout s'ils ont des enfants. Monsieur Abassi, on vous entend faiblement, hein. Est-ce que maintenant vous m'entendez bien? Je crois que quand on va parler avec vous, on devra fermer votre microphone. Voilà, je disais, Léa, que beaucoup de gens ne peuvent pas partir, malheureusement, puisqu'ils n'ont pas leurs vacances. Et de l'autre côté, c'est vacances de leurs enfants, mois de juillet, août. Après, ils doivent aller à l'école, Léa. Comment? Vous m'avez entendu ou non, quand même? Oui, j'ai entendu. Voilà.
C'est bien. Non, je disais, quand je veux parler avec vous, je dois fermer votre microphone, c'est-à-dire vous ne pouvez pas parler en même temps avec moi. Et une fois que je finis, j'ouvre votre microphone et vous avez la parole. On va vous écouter. Léa, vous m'avez pas répondu. Est-ce que vous étiez aux Champs-Élysées dimanche dernier, où vous avez regardé à partir de la télé? Non, j'étais à la maison, tranquillement, j'ai entendu les feux d'artifice, mais de chez moi, j'ai pu voir un petit peu des lumières, ça m'a fait plaisir. Voilà. Je suis pas sortie, j'étais un petit peu fatiguée, donc je suis restée à la maison. Et puis la foule, c'est difficile parce que moi, j'ai peur d'avoir un malaise dans la foule et d'embêter tout le monde après. Il faut, vous savez, quand on est dans la foule, je me mets toujours derrière en général parce que même les festivités, parce que si jamais je panique, ça m'est arrivé une fois, et là on embête tout le monde. C'est les gens, ils savent plus quoi faire, ils sont embêtés. Et quand on sait les problèmes qu'on a de la foule, soit on se met sur le côté et on reste derrière, ou voilà, comme ça on panique pas et ça se passe bien, quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'étais pas, j'ai entendu un petit peu, bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a une poignée de personnes qui vont mettre le bazar et alors après, ça risque de créer des amalgames pour tout le monde. Et après, les gens, quand ils cherchent du travail, on va leur dire non, parce qu'on va dire, allez, ceux-là, ils ont foutu le bazar, alors on n'en veut pas, voilà. Alors c'est un peu dommage, il faut qu'ils pensent à ça, que tout le monde a le droit de travailler et qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui restent au bord de la route. Et il faut vraiment que ces matchs et tout ça se passe dans bonnes conditions, parce qu'on se fait notre propre mal dans la vie. Les gens se font leur propre mal. Après, ils vont dire, ah ben voilà, moi on m'a pas accepté pour un appartement, on m'a pas accepté pour le travail. Mais c'est parce qu'il y en a qui se font des idées toutes faites. Ils se disent, bon ben voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'embauche pas. Et ceux-là qui ont cassé les vitrines, ils vont pas embaucher demain. Et les assurances, ils vont augmenter. Nos mutuelles, nos assurances, ils vont augmenter. Alors, et si on casse la voiture de son voisin. Peut-être qu'il la paye à crédit, il n'a pas d'argent et c'est un problème pour aller travailler. Et voilà, c'est un peu dommage. Voilà, c'est un peu dommage. Bon, après qu'on soit content d'avoir gagné, ça nous arrive à tous d'être contents d'avoir gagné. Et puis, il faut que de temps en temps, chaque pays gagne, parce que si, par exemple, à l'Eurovision, c'est toujours le même qui gagne, c'est plus drôle. C'est bien que tout le monde. D'abord, ça nous fait voir du pays à la télé, ils nous font voir les pays, tout ça qu'on gagnait, qui reçoivent, et on apprend la culture, et c'est magnifique. C'est magnifique, parce que c'est vrai qu'on dit qu'en ce moment, bon, c'est la mondialisation, les gens, ils vont, ils viennent, ils vont habiter aux États-Unis, au Canada, les jeunes et tout. Mais c'est beau, quelque part, parce qu'on apprend l'autre, comment qu'il vit. Et on se dit, oh, ben moi, j'avais pas vu ça comme ça, dis donc. Ils vivent bien comme ça, c'est mieux que moi. Ah ben moi, quand je vais rentrer, je vais faire pareil qu'eux, parce que ça me plaît bien de cette façon, pour des petites choses, parce qu'on ne peut pas changer les normes du pays. Si on ne peut pas dire, par exemple, je vais vivre comme aux États-Unis, si on habite en France. Il y a des choses, ce n'est pas les mêmes. Et c'est décidé par les gouvernements. Mais des cultures, des choses qu'on apprend, des discussions avec les gens, moi, je trouve que c'est formidable. Bien sûr, Léa. Léa, est-ce que la nuit passée, avez-vous bien dormi? Est-ce que chez vous aussi, il y avait la fête de l'équipe gagnante? Oui ou non? Il y a eu la fête, bien sûr, il y a eu la fête, mais j'ai bien dormi, moi. J'ai regardé un peu la télé, comme ça, voilà. Après, bon, j'ai écouté un peu l'antenne. Après, je me suis endormie parce que j'étais fatiguée. Bon, après, c'est vrai que quand on fait rien, on a tendance à s'endormir, hein, parce qu'il n'y a personne qui va répondre ou à vos questions. Donc, vous allez vous endormir. Mais j'ai entendu un peu de bruit, mais c'était pas énorme, quoi. Je veux dire, enfin. Ou alors je dormais vraiment bien et j'ai pas entendu. Voilà, c'est ça. Hein. Mais bon, sinon, ça m'a pas dérangé plus que ça. Hein. Bon, après, on sait que c'est le 14 juillet, on sait que bon, les gens sont contents.
et ils font la fête et ça peut durer jusqu'à 3 heures du matin. Moi, je crois pas que ce soit ça qui dérange de faire la fête. Parce que, à la limite, c'est l'été maintenant. Bon, si on fait pas la fête l'été, quand est-ce qu'on va le faire? Si on va dehors, on profite d'aller dehors l'été, c'est bien. Et c'est plutôt que le lendemain, s'ils disent à la télé, voilà, il y a eu ça de cassé, alors ça, c'est embêtant, ça. Voilà. Ça, ça va donner à personne la possibilité de s'en sortir, ça. Ça va aider personne. Il faut qu'on arrive tous ensemble à faire les choses ensemble, à se préserver ensemble. Parce que, je vais vous dire, si nos politiques, des fois, il y en a qui font n'importe quoi. Bon, j'accuse personne, mais... Et il faut, nous, qu'on s'entraîne entre nous pour que, justement, on s'en sorte tous. Il ne faut pas s'en vouloir les uns les autres. Il faut, au contraire, se donner la main, se dire... il faut faire des actes de solidarité un petit peu comme on peut, et puis bien s'entendre, et puis comme ça, ben, on est plus fort ensemble. Alors, je dis pas pour aller casser les politiques et tout, non, pas casser, mais au moins qu'entre nous, dans le travail et tout, on soit en bonne harmonie pour vivre mieux la vie. Voilà, parce qu'elle est assez difficile. Elle est difficile, et si, en plus, on se crée des problèmes nous-mêmes, entre le peuple, bon, qui est ouvrier et tout, alors, c'est plus la peine, quoi, c'est mort. On fait qu'est-ce qu'on peut, voilà, on fait qu'est-ce qu'on peut sur cette terre. Il faut être intelligent, il faut se dire, tous ensemble, on fait ensemble. Mais il y a de l'entraide, quand même, il y a beaucoup d'entraide. Puis, moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur Abbassi, qui m'a donné de l'espoir pour plus tard. C'est que je vois ces jeunes dans les écoles, ils sont tous ensemble, ils vivent tous ensemble, ils s'entendent bien, ils mangent à la cantine, tous ensemble, à la même table, qu'ils soient chinois, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient tout, ils mangent tous ensemble. Et je crois que les jeunes, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et je pense que c'est eux, avec les mentalités qu'ils ont, qui vont relever tout ça. Je crois que dans quelques temps, on en sortira de tout ça, ces trucs de se dire, voilà, s'il n'est pas comme moi, et moi je suis mieux que lui, et moi je... Qui est mieux que l'autre, et qui est moins bien que l'autre, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que chacun il a sa petite idée, sa petite vision des choses, et il faut essayer de regarder un peu à côté, pour se dire, oui, si j'étais à la place de l'autre, comment je réagirais, pour telle raison, pour telle situation. Et c'est bien de s'ouvrir aux autres. Et voilà, je pense que c'est bien. Voilà. Mais j'ai l'espoir pour les futurs qui arrivent, qui mangent tous ensemble, qui s'amusent tous ensemble à la récré, qui parlent tous ensemble. Et bon, ça, Internet, ça m'ennuie un peu quand même, hein, parce que c'est un peu dangereux, ce Internet. Dans certains domaines, ça, c'est... Ça, par contre, c'était pas quelque chose qu'il fallait faire. Hein. Mais bon, c'est là. Et il faut essayer de dire aux enfants, faites attention à Internet, ne mettez pas tout, vos photos, vos enfants, vos machins, parce qu'il y en a qui voient ça, qui peuvent abuser de ça. Il faut être vigilant avec cet Internet, parce que j'espère que dans quelques temps, ce sera un peu retombé, ça. Mais malheureusement, c'est dans le monde actuel, et c'est partout, et c'est dans le monde entier, et moi j'ai peur de ça pour les enfants plus tard, voilà. Bien Léa, merci beaucoup. Alors, si tu n'as rien à dire, on va te dire au revoir. Oui, je vous embrasse, et puis je vous dis à dimanche. Hein. Merci Léa, à dimanche, 21 à 16h. Escalier de l'Opéra. Place de l'Opéra. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Léa. Ça, c'était Léa sur 95.2 FM. Et vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20. Alors, déjà, concernant ce que Léa il vient de dire, concernant l'Internet. Vous savez, l'Internet, moi j'ai eu le plaisir de connaître ce moyen de communication grâce à mon ami.
mon ami de 36-37 ans. Mon ami Didier Doplège, dans les années 90, c'est grâce à lui que j'ai appris comment ça fonctionne, l'Internet. Et j'étais un des premiers d'ouvrir des cybercafés à Paris, à l'époque. Alors, premier cybercafé, c'était créé à l'époque par David Abbassi. Et mes sites aussi, voilà. C'est très intéressant de vous dire. Je veux remercier Didier Doplège, notre président, mon ami. On a beaucoup de choses apprises de lui. Et surtout moi, cette progrès, cette technologie de l'Internet, je l'ai appris de lui, juste au départ qui était arrivé. Et même en même temps à l'époque, c'était Multimania, Migal, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Tous ces trucs-là que vous voyez actuellement n'existaient pas. Et à l'époque, j'avais 5 noms de domaine, 5. Et dans chaque nom de domaine, j'avais mis 2, 3, 4 de mes bouquins à l'époque. J'avais presque 500, 600, même peut-être 1000 pages sur l'Internet. Mais à l'époque, Google n'existait pas. Alors pour faire des recherches sur l'Internet, il y avait AltaVista. AltaVista, c'était créé par un Français qui était aux États-Unis, je crois. AltaVista, quand vous voulez faire des recherches à l'époque, qu'est-ce que vous faisiez? Vous tapiez altavista.com, après le nom que vous vouliez, moteur de recherche, c'était AltaVista. Mais après la création de Google, ils ont acheté AltaVista, c'était acheté par Google, et Google est venu, voilà, sur le scène. Mondial. Alors, on dit toujours que le service secret était derrière cette affaire et tout ça. Mais de toute façon, maintenant, n'importe où que vous êtes vous. Vous êtes contrôlé. On vous voit. Reconnaissance faciale, vous le savez, c'est quoi? Allez-y, cherchez. Et encore, c'est très intéressant parce que, imaginez-vous que dans les années 2000, que même Google existait, beaucoup de mes choses, mes articles, mes bouquins, mes émissions radio, etc., télé à partir de 2000-1999, étaient sur l'Internet. J'avais plusieurs centaines de pages sur l'Internet avec plusieurs dizaines de sites Internet que j'avais achetés. Ce n'est pas moi que j'ai acheté à l'époque. J'avais un copain. C'est nécessaire de le dire maintenant ici et maintenant ce soir. Je vais le dire puisque au moins pour le remercier. Il ne va pas nous entendre, mais il faut le dire. J'avais un copain, acteur au cinéma à Hollywood. Il est connu, il a joué dans Pirates des Caraïbes. Il a joué dans Hidalgo avec Omar Sharif, avec Arnold Schwarzenegger, Kazem, il avait deux, avec Shaquille O'Neal. Il s'appelle Marshall Manesh. Marshall Manesh, à l'époque, il m'avait acheté une dizaine de noms de domaines. Tout ce qui était un peu proche de moi, il achetait le nom de domaine et il me donnait et il m'en mettait des choses. Alors, dans les années 2000, j'avais plus de centaines de pages sur l'Internet. Mais un jour, les méchants, ils vont fermer mes pages sur Wikipédia. Il met un argument qui, même jusqu'à maintenant, existe. Vous pouvez aller le voir. Il dit, ah, David Abbassi, personne ne le connaît pas. Il n'a même pas 5 pages sur l'Internet. Quand vous faites des recherches sur Google, même pas 5 pages, il n'y en a pas. Qu'à l'époque, j'avais plus de centaines. C'est-à-dire comment le mensonge peut être resté, même jusque maintenant. Jusque maintenant aussi, il est resté. C'est récemment que j'ai appris. Voilà. Mais malgré tout ça, ce n'est pas, la vie n'est pas Wikipédia. Alors, si j'ai là. Après, comme on m'a dit, j'ai fait des recherches, j'ai vu qu'en plus de langues, j'existe, mais avec 4-5 lignes, très peu. Et en plus, je ne sais pas qui a mis tout ça, mais si vous entendez David Abbassi, vous voulez
aider David Abassi. Vous êtes connu chez Wikipédia. Vous allez sur mon site davidabassi.com et copiez tout ce qu'il y a là-bas. Pas copier, prenez là-bas l'idée et remplissez. Voilà, c'est tout. Pour moi, ce n'est pas très intéressant de mettre du temps, puisque même depuis 2007, ou peut-être 2010, des méchants, ils ont fait des méchancetés. Pour moi, ça n'était pas tellement grave. Enfin, notre vie. Mais malgré tout ce que je vous dis, l'Internet, il est très, très bien. Il est bien. Vos enfants doivent apprendre. L'Internet, il est bien. Mais seulement, il faut les apprendre de l'utiliser positivement. Énergie positive, la positivité dans la vie et Internet, utilisation positive. Quand vous allez apprendre comment utiliser les enfants l'Internet, vous allez voir que c'est très beau. Les enfants d'aujourd'hui, ils vont aller sur l'Internet avec votre smartphone ou iPad ou je ne sais pas quoi. Ils connaissent des choses que même son grand-père ne connaît pas. Hein? La progrès de technologie, de science. Énormément de films qu'il peut regarder, il peut apprendre avant d'aller à l'école. Et moi, je vois, je suis en contact avec les gens. Je vois l'enfant de 54 ans, 4-5 ans, après, il prend le plus. Il connaît des choses que même peut-être moi, je ne connais pas. Hein. Il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Ça, c'est le progrès, il faut le profiter. Mais il ne faut pas tomber dans le piège. Et il faut pas, vous savez, n'importe quoi, si vous ne l'utilisez pas bien, ça devient mauvais. Voilà. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Je veux bien vous entendre, mes chers amis. Concernant d'autres choses qu'il a parlé, était très intéressant. Je veux parler aussi, c'est question d'assurance. Assurance, par exemple, loyer impayé. Assurance loyer impayé. Vous savez, aujourd'hui, si vous êtes patron, et pour nous parler des patrons, non pas de bon bilan, parce qu'ils ne font pas de bénéfices à la fin d'année, ou il est déficitaire, ou il y a une marge de très très faible. Les sociétés qui ne sont pas grandes, même des grandes sociétés, vous voyez comme Forama, l'autre, ils déposent le bilan. Non, ils ferment des boutiques. Même General Motors, ils virent des milliers, des centaines de gens. Ils ont des problèmes. Tous les grands et petits actuellement, il y a des problèmes. Alors, si vous êtes patron d'une société, vous n'avez pas de bon bilan, vous ne pouvez jamais louer un appartement, non? C'est impossible. Vous savez pourquoi? Même vous dites que vous avez des biens, vous touchez de location, je ne sais pas quoi, des sociétés, votre société existe depuis 20 ans, tatati, tatata. Mais si vous n'avez pas un salaire, une fiche de paye, 3,5 fois de montant de loyer, personne ne veut pas vous louer un appartement, une maison, une chambre. Si vous voulez louer un appartement, par exemple, à 2 000 euros, charge compris, par mois, vous devez montrer 7 000 euros de revenus mensuels net. Si vous êtes en couple, 2 fois 3 500, 1 fois 4 000, 2 000, ça fait 6, 7, 7 000. 7 000, il faut montrer. Sinon, personne ne va pas louer. Vous savez pourquoi? Puisqu'il y a l'assurance, loyer impayé que le propriétaire il le prend pour être tranquille. Que demain, si le locataire ne va pas le payer, c'est l'assurance qui va le payer. Alors l'assurance, il n'accepte pas de dossier s'il n'y a pas de fiche de paie avec un contrat indéterminé. Ils ne vont pas accepter. C'est pour ça, c'est vrai, Léa, elle a tout à fait raison. Actuellement, là, notre problème, c'est location, trouver un logement. Et il y a une fonde. Un fonds de gouvernement pour garantir le loyer des gens qui n'ont pas de fiche de paie et tout ça. Mais ça, c'est beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent profiter de ça. Parce que le montant
est limité et le nombre de personnes utilisées par an aussi est limité. Il n'a pas, tout le monde ne peut pas l'utiliser. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui sont patrons. L'autre jour, il me dit, écoute, moi, ça fait des années que je travaille, etc. Mais je ne peux pas faire un fiche de paie assez fort pour moi, puisque je ne gagne pas de l'argent, ma société est en déficit, etc. Ça, à la fin d'année, j'ai des problèmes. Alors, je vais changer d'appartement. Mais je ne peux pas, personne ne me loue pas. Je dis, écoutez, moi, je vis bien, mais économiquement, avec 1 000 euros par mois, moi et ma femme, mes enfants, pour se débrouiller. Alors, j'ai 3 000 euros. Fiche de paie, 4, 3 500. Alors, en apportant 2 500. Mais non. Mais non. Aucun assurance loyer impayé ne va pas l'accepter. Si tu veux louer un appartement de 1 500 euros par mois, il faut fiche de paie 5 000 euros environ. Ça aussi, c'est un problème assez énorme, mes chers amis, qui va faire du bruit après Gilets jaunes. Après Gilets jaunes, vous allez voir certains contrats de location va se terminer. Les gens, quand ils ont loué leurs appartements, peut-être ils avaient des bonnes situations économiques, leur salaire était bien, mais maintenant, avec tous les pertes d'emploi que vous voyez, tous les chômages et tout ça, ils ont des problèmes. S'ils vont renouveler un autre bail ailleurs, ils vont avoir des problèmes. Les problèmes de la société qui touchent de l'argent augmentent chaque jour. Alors, il faut y penser. Parce que l'individu qui n'a pas un logement correct, l'individu qui ne mange pas correctement, ne fait pas manger correctement sa famille, cet individu, il va être fâché. Ou il va être désespéré. Alors le dos, c'est mauvais pour la société. Si on va garder une société en bon état, debout, sur le pied, plein d'énergie, de création, créative, il faut régler certains problèmes. Malheureusement, actuellement, son colère dans l'économie, colère dans la société, colère dans le travail. Les gens ne travaillent pas bien en grande partie. Les employés, ils ne travaillent pas bien en grande partie. Les employés qui, de n'importe quel, je ne sais pas, là, une grande majorité, ils ne travaillent pas bien. Ils ne répondent pas bien aux gens qui vont aller à droite, à gauche dans l'établissement. Chaque jour, si vous êtes dans la société, vous vous déplacez à droite, à gauche, vous voyez qu'il y a des mécontentements du peuple quand ils vont aller quelque part. Une grande partie de ça vient de pouvoir d'achat. L'individu, il est en train de faire réfléchir comment il doit faire pour les vacances, pour le portable de son enfant, pour le loyer fin de mois, pour l'achat des fruits et tout ça. Quand il a le client en face de lui, l'accueil non plus ne va pas être bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez aussi vous exprimer. Il y a des sujets qui vous intéressent. Alors vous pouvez en parler, même si vous avez des questions. C'est quoi? C'est très simple, très facile. En composant le 08 92 23 95 20. Et ça, c'est la radio. Ici et maintenant, depuis le 30, non, depuis le 20, 21 juin, il est entré dans le 40e année. C'est-à-dire 39 ans, c'est fini. C'est 40e année qui a commencé depuis quelques jours. Encore une fois, on veut féliciter Didier Doplèche, mon ami, et souhaiter bonne santé pour Didier et pour tous les amis de la radio ici maintenant, vous, chers auditeurs, auditoristes, qui est grâce à vous, que vous nous écoutez, vous intervenez, nous pouvons rester veillés. Que tout se passe bien pour vous, mes chers amis. Voilà, vous avez la parole. David Abbas est avec vous, comme tous les
lundi et chaque dernier samedi de mois, bien sûr, avec plaisir. Dès 23 heures jusqu'à 1h du matin, j'arrête quand je veux, mais je vais m'arrêter à 1h du matin, dans quelques minutes, mais il reste assez de temps pour que vous venez parler, vous exprimer. C'est très intéressant, on ne voit plus des intégristes. Hein. C'est ça, c'est formidable ça. C'est-à-dire, éclairage a bien fonctionné, nous ne trouvons plus de fanatiques qui viennent pour proxénétisme et pour propagande sur l'islam et islamisation du pays et tout ça. Ça, c'est bien, un point positif. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabbassi.com. Ça, c'était Morgane hein, quand elle avait 7 ans. Vous savez, quand elle avait 7 ans, elle était animatrice. Alors maintenant aussi, peut-être elle a 17 ans, elle est présente sur l'antenne de la radio ici maintenant. Depuis qu'elle était petite, vous voyez, et elle était en train d'aider la radio ici et maintenant. Alors maintenant, nous avons Michel avec nous. Michel, bonsoir, comment ça va? On vous écoute. Je peux parler? Bien sûr, vous pouvez parler. C'est à mon tour? Oui, Michel, on vous entend bien. Vous aussi, n'oubliez pas, écoutez à partir de votre combiné de téléphone et vous pouvez parler, vous avez la parole, on vous écoute. Bah oui, on m'entend là alors. Bon, et ben voilà, pour je vais parler brièvement parce que bah, pour le problème du monde là, des difficultés dans la vie, ça peut s'arranger. Mais d'abord, il faut trouver la paix. C'est avant tout, voilà, au lieu de faire des armes, il faut faire des dépenses civiles et non pas militaires. Alors là, on arrangera tous les problèmes. Après, il faut trouver la paix avec tous les gens du monde. Malgré les différences, surtout au niveau des dieux et des religions, parce que ça fait et même la politique. Enfin, il faut arriver à être tolérant et se dire que on n'est pas tous dans les mêmes les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes habitudes. Donc il faut se dire qu'en fin de compte on arrivera à tous se comprendre si on est patient et qu'on reste en paix, quoi. C'est-à-dire ne pas se faire des problèmes parce que l'autre est différent. Et malheureusement, il y en a qui sont très très fanatiques. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça fait des problèmes de peur. Il y en a qui, après, qui sont armés, et puis qui s'énervent. Donc, tout ça, bon, ça vient pas de Dieu, tout ça. Ça vient du diable. Quand on fait le mal ou on va tuer quelqu'un, je me dis, c'est pas Dieu qui le demande. Hein. Donc, voilà, quoi. Il faut que ces personnes puissent mieux utiliser leur énergie pour le bien sur la terre. C'est simplement
arriver à progresser dans sa mentalité, son caractère, et puis accepter les gens comme ils sont. Et puis, enfin voilà, je me dis, c'est un travail sur soi-même. Après, on peut tout régler comme problème, tout, tout, tout. Pour manger la terre, il suffit de cultiver des avocats. On peut faire des avocats sous serre en France. On peut planter des figuiers. On peut faire des pommes de terre. À manger tant qu'on peut. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà. Profusion de nourriture sur la terre. Ça fera du bien à tout le monde, déjà, d'avoir à manger. Et après, le reste, c'est facile. Tant qu'on a à manger, après, bon, on peut faire une maison, une petite maison. Il faut être simple, voilà, humble, simple. Et puis, tout le monde sera après bien sur la terre pour vivre en harmonie, avec un petit terrain. Et puis, celui qui veut être en bâtiment, il peut toujours aller dans les tours, s'il veut, hein. Tour Babel. Sinon, on peut faire des petites maisons. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Et ne pas trop faire non plus de saccage. Il faut surtout de l'écologie, respecter la terre. Et après, on aura de l'air, de l'eau à manger, et tout ira mieux pour tout le monde. Voilà, donc c'est à peu près bon, moi, mon projet. Parce que. Eh ben, il faut avoir l'espoir et ça fait avancer beaucoup mieux que le désespoir. Parce que avec de l'espoir, on voit plus loin. Et donc, on voit l'horizon et on y va. Tandis que si on est désespéré, on regarde sur le bout de nos chaussures et on n'avance pas. Ou alors, c'est l'angoisse, quoi. Il faut pas attendre la fin du monde. Il faut attendre la fin du mal, c'est-à-dire la fin du mauvais système de choses. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, les choses vont s'arranger après, justement, les fléaux qui sont là actuellement, la guerre, la famine, les épidémies, les maladies, les cataclysmes. Tout ça, c'est fait pour que les humains puissent changer et comprendre. Il faut une meilleure direction pour le bonheur. Voilà. Direction le paradis et non pas l'enfer. Et le mal est nécessaire actuellement, justement, pour ceux qui ne n'arrivent pas encore à comprendre quelle est la bonne voie à suivre. Donc, malheureusement, eh ben, c'est en souffrant qu'on change. C'est là qu'on réfléchit le plus. Voilà, on a tous des douleurs, des problèmes, et on réfléchit. Après, il y en a, ils se droguent, mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'on veut noyer le problème, mais on se rend compte qu'ils savaient nager. Ça, c'est avec l'alcool. Après, voilà, les médicaments. Moi, je n'y crois pas. Il n'y a pas de remède. Il faut simplement se reposer, changer son régime alimentaire, faire moins de protéines, parce que les protéines donnent des cancers par excès. On a besoin de très peu de protéines, mais on peut manger autant de calories qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est éviter les produits animaux. Donc moi, je suis végane, et ça va beaucoup mieux. Et après, bah, ce qu'il faut, c'est arrêter tout ce qui est toxique, hein, d'abord. Arrêter les médicaments, l'alcool, le tabac, les excitants, café, thé, les épices trop fortes, tout ça. Faut arrêter. Les produits animaux, arrêter. Et quand on reste avec le végétal, ça calme. Et il faut manger des bons avocats pour la graisse. Et ensuite, des patates, tous les fruits, les légumes. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup à manger. Puisque d'ailleurs en Asie, il y a beaucoup de végétariens qui vivent très bien. Et même les bouddhistes qui sont très bien nourris avec le régime végétarien. On les voit plutôt, ils sont plutôt lourds. Voilà. Alors voilà.
Donc, il y a des solutions. Il suffit de, voilà, faire l'expérience de l'écologie, je dirais, et même du végétarisme. Parce que les élevages, ça fait beaucoup. Bon, je vais laisser parler les autres, pareil. Je vais laisser parler les autres aussi, parce que ça coûte, et puis il faut laisser la place aux autres. Voilà. Merci Michel, ça c'était Michel sur le 95.2 FM et vous avez la parole. Et les propos de Michel étaient très intéressants. Vous savez, quand vous parlez de l'humanisme, de la paix, de l'argent, du paradis, c'est-à-dire paradis, soyez sûr et certain, il n'y a pas dans un autre monde. Il n'y a pas un autre, c'est selon David Abassi, hein, c'est mes idées. Hein. Vous pouvez accepter ou pas accepter. Le paradis n'existe pas ailleurs, dans un autre monde, dans une autre planète, après la mort. Tout ça, c'est des mensonges qu'on vous a donnés. On vous a donné toutes ces paroles pour qu'une partie des gens, pour bien vivre ici, pour bien profiter de tout ce qu'il y a à profiter. Et l'autre partie des gens, ils travaillent comme des esclaves. Ils travaillent comme des esclaves. Et à la fin de journée ou à la fin de mois, ils n'auront pas assez à manger ou donner à manger à leur famille. Pour ces gens-là, on dit, tu t'inquiète pas. Pauvreté, c'est une fierté. Cette fierté va te donner le paradis. Dans le paradis, tu vas avoir tout ce que tu veux. Mais il y a Omar Khayyam, grand mathématicien, astrologue, philosophe, réincarnation. Le pensée, c'est lui qui l'avait lancé aussi. Alors lui, il dit, tu prends ce qui est aujourd'hui dans tes mains et laisse tomber toutes les promesses qu'on te donne pour demain. Laisse tomber. Les promesses pour demain, tu laisses tomber. Tu prends aujourd'hui, ici et maintenant. Crée le paradis ici et maintenant. Ici et maintenant. Alors, sur 95.2 FM, vous avez la parole. Il a bien dit, Michel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de aider entre vous, de fabriquer l'amour, beauté, au lieu de fabriquer des armements, au lieu de tuer les gens, même si, franchement, il a raison, non, Michel? Franchement, si vous voulez gagner de l'argent, pourquoi fabriquer des armements? Même avec banane, avec yaourt, avec du raisin, avec du vin, vous pouvez gagner de l'argent. Pourquoi vous jouez avec la vie des gens? Surtout des pauvres gens. Surtout des pauvres gens pauvres dans la poche et pauvres dans la pensée. Parce que s'ils n'étaient pas pauvres dans la pensée, ils ne devenaient pas des militants aveugles pour les causes perdues. Toutes les causes qui ramène la guerre, c'est des causes perdues. Pourquoi être raciste, jaloux contre la personne qui travaille plus et qui gagne plus? Pourquoi? Pourquoi tu es contre? Le travail est la richesse de Dieu. Travailler beaucoup et gagner beaucoup. Inventer des choses.
Regardez cette radio ici maintenant. Ce soir, je vais vous dire quelque chose, peut-être que vous ne le savez pas. Didier Dupless, il n'aime pas quand je parle de lui, il n'aime pas ça. Mais puisqu'il n'est pas là ce soir, je vais parler de lui. Didier Dupless, c'est un inventeur. C'est un inventeur. Ce n'est pas seulement la radio ici et maintenant qui donne la parole à toi. Il est inventeur des idées humaines. Inventeur de dire et faire dire des choses que personne ne le dit. Inventeur de certaines choses. Par exemple, Minitel, vous vous rappelez de Minitel? Téléphoner par Minitel, parler, c'est Didier Dupless qu'il a inventé en 1981. À l'époque, vous trouvez un article dans le journal Le Monde qui parle de cette invention de Didier Dupless, mais il est modeste, il ne le dit pas. Il ne le dit pas, il est tellement modeste. Mais il a inventé et il a créé énormément. Animateur, animatrice, il a fabriqué. Et cette antenne libre, actuellement, vous savez combien d'imitateurs il y a dans le monde? Moi, mes amis, une grande partie, ils ont créé leur télévision. Après même, ils ont créé grand live stream. Je vous ai parlé de l'Internet. Autre chose que j'ai appris de Didier, c'était live stream. Avec live stream, à l'époque, maintenant c'est payant, à l'époque c'était gratuit. Avec live stream ou Ustream, Ustream ou live stream, tu pouvais avoir ton télévision maintenant aussi, tu peux avoir ton télévision. C'est vrai qu'avec YouTube, Facebook, Instagram, vous pouvez avoir tous ces moyens-là. Maintenant, tu es n'importe qui, tu es n'importe où, tu n'as n'importe quel moyen, seulement tu as un portable, tu peux avoir ton télévision. Et pour la première fois, moi j'ai appris de Didier Dupless, puisqu'il était inventeur, rechercheur, il retrouvait des choses. Après, il n'était pas radin de le garder pour lui-même, il le donnait aux autres. Avant tout le monde, c'était David. Vous savez, pendant un certain temps, quand live stream était gratuit, moi j'avais 35 chaînes de télévision. C'est-à-dire sur 35 noms, je diffusais des choses dans le monde entier. Et après même avoir dit de portable ou la PAP, on pouvait envoyer des émissions. Un jour, j'étais allé à Los Angeles. Et à Los Angeles, à l'époque, il y avait une dizaine de télévisions perses, 24 sur 24, diffusées par satellite, Hotbird et Galaxy dans le monde entier. Les gens, ils avaient des studios, des patati patata. Je disais, regardez, vous voyez mon portable, ordinateur portable. Oui. Je disais, regardez, je vais me mettre dans la roue et je vais diffuser mes émissions. Ils ne croyaient pas. Les patrons de télévision à Los Angeles, ils pensaient que je suis en train de me moquer de ces gens-là. Ils ne croyaient pas. J'ai dit, moi ici je parle, et allez-y, dans le studio, j'ai entré sur l'écran de l'ordinateur. Par exemple, je tapais mertv.com. Mer, mohr.com. J'ai dit, alors regarde maintenant. Et moi, je parlais, il regardait dans la pièce à côté, et il voyait la télé. J'ai dit, n'importe où dans le monde, on peut nous écouter, nous regarder. Vous voyez, c'est tellement facile. Inventer. Après, soyez créateur. Et travailler. C'est ça le travail. Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Mais c'est vrai que ce n'était pas le cas ni de Didier Dupless, ni de moi. Hein. On n'a pas travaillé pour gagner de l'argent dans nos idées, dans nos pensées. Jamais. Moi, quand j'étais interviewé par les chaînes internationales très, très connues plusieurs fois, ils disaient, oh, chaque minute, on paye 50 euros, 40 euros. Je disais, non, non, ma condition de parler avec vous, c'est d'être en direct. Mais je ne veux pas de l'argent. Je veux être en direct pour ne pas être coupé, censuré. Mais on n'a pas gagné de l'argent de nos idées. Nos idées, c'était gratuit. Nos idées, c'était gratuit. La diffusion, c'était gratuit. Comme ici maintenant, on travaille pour vous maintenant, c'est gratuit. Mais par contre, si on faisait tout ça dans le business,
Vous voyez, énormément d'argent, on pouvait gagner. Mais s'il y a d'autres personnes qui travaillent et qui gagnent de l'argent, moi, je ne devrais pas être jaloux. C'est la jalousie qui crée la haine et le racisme. Et on pense que l'autre, il a beaucoup d'argent, oh, il a ça, il a ça. Si il a travaillé, il a inventé des choses, il mérite de gagner de l'argent et d'avoir le paradis ici, profiter de vacances, profiter de tous les moyens qu'on t'a dit, tu vas profiter dans l'autre monde. Vous savez qu'est-ce qu'elle dit Omar Khayyam? Elle dit, on dit, le vin est interdit ici, mais dans l'autre monde, il y aura des rivières du vin. Tu peux boire autant que tu veux. Alors si tu n'es pas con, moi, si je ne suis pas con, je veux dire à cette personne-là qui me donne cette information, je veux le dire, le con, madame, monsieur le con, le vin des rivières dans notre monde quand je mourrai, pour toi. Mais je prendrai le vin ici et maintenant, aujourd'hui, mais avec modération, non? Du lait, du miel, d'avoir des femmes, pas 74 ou 70, hein? Une femme, un homme pour les femmes. Les femmes aussi, elles ont le droit d'avoir un homme. Hein? Profiter de sa compagne. Je veux le faire ici et maintenant. Je ne veux pas le laisser pour l'autre monde. Tu me dis même 70. Non, non, je veux l'utiliser ici. Alors les choses que tu vas m'autoriser après ma mort, moi, je m'autorise moi-même. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le paradis, c'est ici et maintenant. Ne tombez pas dans le piège des gens qui fabriquent de vous des esclaves, de travailler comme des esclaves, soi-disant vous allez avoir le paradis quand vous mourrez. Non, vous méritez de gagner votre vie, comme il faut, comme tous les gens qui travaillent, ils gagnent de l'argent. Regardez, quelques personnalités du XXIe siècle qui sont les patrons de certains réseaux. Ces gens-là, ils ont commencé à partir de 0 $, à partir de leur garage. Et ils ont devenu milliardaires, puisqu'ils ont travaillé. Ils n'ont pas dit aujourd'hui je vais être esclave. Travailler comme un esclave, n'a pas touché l'argent comme il faut. Ou je vais dormir à la maison, je vais avoir 3 enfants, 4 enfants, je vais toucher les aides sociales, tatati tatata. Et quand je mourrai, j'ai la meilleure religion. Je vais aller au paradis, avoir 70 hommes ou 70 femmes. Je ne sais pas si la femme, s'ils ont 70 hommes, comment ça va aller, hein? Mes amis, soyez sages. Le cerveau que le Dieu il a mis dans votre tête, cet cerveau sert à quelque chose quand même. Cet cerveau, vous devez l'utiliser. Soyez rationnel, pas émotionnel, rationnel dans la vie. Créez votre paradis ici et maintenant. Au lieu d'être jaloux aux gens qui ont de l'argent ou qui travaillent pour gagner, vous aussi, vous les prenez comme exemple, devenez comme eux et allez bien travailler. N'importe où, n'importe comment, vous pouvez travailler. Et vous pouvez gagner votre vie. Il suffit de sortir le matin tôt, préparer de bons CV, apprendre de certains métiers. Chaque jour, vous pouvez inventer un travail. On peut travailler, surtout si vous êtes jeune. C'est-à-dire, si vous êtes encore jeune, ne vous laissez pas dans le drogue, dans l'alcool, même dans le cigare. C'est quoi le cigare?
punaise. C'est quoi? 10-15 euros par jour, tu dépenses pour ton... Globe. Moi, vous savez, il y en a mes photos, vous pouvez regarder sur l'internet. Je fumais la pipe depuis l'âge de 16 ans. 16 ans, j'étais bête. J'ai arrêté à l'âge de 50 ans. À l'âge de 50 ans, après 34 ans de fumée, j'ai arrêté. Et le lendemain, j'ai dit, tous mes pipes, c'est des souvenirs. Je les garde comme souvenirs, je ne les fume plus. Je n'ai plus fumé. Vous voyez? C'est ça la vie, mon ami. Mon ami, tu es en train de gâcher ton argent. Et actuellement, quand vous allez voir un médecin, après 50 ans, première question, vous fumez? Ah, il ne faut plus fumer. Vous buvez? Il ne faut plus boire. Mais vous, n'oubliez pas, continuez à boire un verre par jour, par repas. Un verre, pas plus. C'est bien pour la santé. Mais ne fumez pas. Ne soyez pas drogué. Ne soyez pas esclave dans la vie. Soyez chef. Soyez chef. N'importe quoi que vous faites. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous. Je vous souhaite pour vous toutes et tous plein de santé. Santé avant tout. Après la santé, c'est la joie. Après la joie, c'est l'argent entre les dos. Parce que sans l'argent, santé, heureusement, vous êtes en France, si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas obligé de mourir puisque vous n'avez pas l'argent. Parce que vous savez, dans certains pays, si vous avez n'importe quelle maladie, dès que vous entrez dans l'hôpital, avant tout, on vous prend votre carte de crédit. Hein. Si vous n'avez pas votre carte de crédit, même vous allez mourir. Hein. Vous saviez ça? Dans certains pays, les gens qui viennent ici crier, c'est comme ça. Mais heureusement, ici, vous entrez, on va vous soigner. Voilà, la santé est à la sécurité sociale, à la disposition des gens qui travaillent ou je ne sais pas quoi. Après l'argent, il faut le gagner. C'est très important l'argent dans la vie, puisque sans l'argent, tu ne peux pas avoir des amis, tu ne peux pas avoir la famille, tu ne peux pas vivre tranquillement. Ça, je le sais. Je le sais. Pour ça, j'ai conseillé toujours mes amis, depuis éternel, de gagner de l'argent. Ayez l'argent, ce n'est pas un crime. C'est bien. L'argent, c'est bien. Allez. Et à votre santé, je n'ai même pas mon thé à boire, mais je prends mon bouteille d'eau. Je vous dis à votre santé, mes chers amis, soyez heureux, humain dans votre vie. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes chers amis.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette revue de presse interactive. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95.2 FM. Et sachez que vous pouvez nous écouter également de façon continue 24 heures sur 24 sur le site de la radio ici et maintenant.com. C'est Morgane avec vous aujourd'hui pour cette émission. Vous aurez cette possibilité tout au long donc de l'antenne d'intervenir et de partager voilà vos différentes réactions avec nous sur les différents sujets d'actualité. Alors tout de suite pour commencer, je vous informe qu'on va en première partie commencer par une antenne libre, pas de sujet prédéfini, voilà, on vous impose rien. À vous de nous dire quels sont les sujets qui vous ont le plus interpellé, qui vous ont marqué durant le week-end ou voilà durant la semaine précédente. En tout cas, c'est vous qui allez faire cette revue de presse interactive grâce à vos interventions pour l'antenne libre. On va faire une petite pause musicale pour commencer à prendre vos appels au numéro que je vais partager avec vous dans quelques instants. Et sachez aussi que vous pouvez intervenir sur le forum de la radio, cet espace interactif qui vous permet de discuter avec les différents auditeurs sur de nombreux sujets. C'est le forum.fm. Et pendant l'émission, donc si vous souhaitez partager des sujets, vous pouvez vous connecter et envoyer un post, un message dans la partie revue de presse interactive. Donc c'est le forum.fm et donc pour commencer l'émission, vous pouvez intervenir en choisissant le sujet qui vous intéresse le plus pour voilà commencer cette émission aujourd'hui. Antenne libre au 08 92 23 95 20. Plusieurs révélations voilà dans la presse sur le ministre de la Transition écologique et ex-président de l'Assemblée nationale François de Rugy qui parle de vengeance. Il s'est expliqué évidemment dans différentes chaînes d'information. On peut essayer voilà d'écouter ensemble son intervention. C'était sur BFM TV. Il répond aux accusations de Mediapart. Vous allez pouvoir nous dire aussi ce que vous en pensez, mais tout ça c'est en attendant bien sûr vos interventions pour l'antenne libre car comme je vous l'ai proposé au début de cette émission, vous pouvez intervenir en composant le numéro du standard et nous parler des sujets et qui vous préoccupent, qui vous intéressent le plus actuellement. Donc pour commencer, pour que voilà, on partage aussi et qu'on voit ensemble les différents sujets d'actu, on va essayer de voir les explications de François de Rugy qui répond aux accusations de Mediapart. Et si vous n'avez pas vraiment suivi l'enquête, je vais pouvoir vous faire un petit récapitulatif un petit peu plus tard, mais si vous avez vous-même des éléments, des réactions à partager avec nous avant qu'on développe le sujet, vous pouvez aussi intervenir sur 95.2. Je vous rappelle aussi que tout à l'heure j'étais en train de vous parler aussi de ces débordements aussi qu'il y a eu un petit peu partout dans la France suite à un match de foot. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez l'hystérie des supporters de foot? Comprenez-vous ces comportements ou pas? Comment est-ce que vous voyez les choses par rapport à ça? D'ailleurs, ça a fait quand même réagir pas mal de personnalités politiques. Toutes ces informations autour de cette Coupe d'Afrique. En tout cas, on attend vos appels sur 95.2. Il suffit de composer le 08 92 23 95 20. Et tout de suite, on va écouter donc un petit extrait audio avec François de Rugy. Je n'ai absolument pas de raison de démissionner. Jamais de toute ma vie, je n'ai demandé un logement social. J'ai loué un logement suite à une séparation. Je n'ai jamais profité indûment d'un logement social. Et je lis ça dans un article. Je donne toutes les preuves.
à Mediapart. J'ai gardé tous les emails, tous les échanges d'emails avec l'agence immobilière à qui j'ai loué ce logement. Alors, eh bien, c'est comme si je n'avais rien dit. On continue à raconter que j'aurais profité, que je profiterais encore aujourd'hui d'un logement social. Moi, je suis victime d'une tricherie du propriétaire et de l'agence immobilière. C'est pour ça que je voudrais que ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard. Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une allergie, j'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, depuis, il y a un agent de l'Assemblée nationale qui très gentiment m'a envoyé, dit mais on avait une liste de tout, de tous vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer, et votre femme également. Et on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin, je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le but c'est quoi? C'est d'informer le public ou c'est de mener en permanence des campagnes contre le gouvernement, contre ceux qui gouvernent d'ailleurs. Ceux qui gouvernent, pas simplement ce gouvernement actuel. C'est le fantasme des coupeurs de tête. Moi je vous le dis, c'est le fantasme des coupeurs de tête. Et chaque fois qu'il y aura maintenant des mensonges, je saisirai la justice sur la dénonciation calomnieuse. Dénonciation calomnieuse selon François de Rugy. On vient d'écouter ce petit extrait audio, c'était sur BFM TV vendredi, qu'il était voilà au bord des larmes et qu'il répondait aux accusations de Mediapart. Il y a encore quelques nouvelles informations suite à cette affaire. Est-ce que vous avez envie de réagir là-dessus, de nous dire voilà ce que vous en pensez? En tout cas, vous pouvez intervenir en composant le numéro du standard. On vous attend au 08 92 23 95 20. Dans la rue, d'abord dans une bonne ambiance, et puis la situation s'est dégradée au fil de la nuit entre les forces de l'ordre et ses supporters, notamment à Lyon et dans la cité phocéenne. Regardez ce reportage de Mathieu Desmoulins et Linda Huré. Au coup de sifflet final, ils exultent. Puis se rassemblent en masse sur le boulevard de la Canebière. Des milliers de supporters algériens portés par la qualification de leur équipe en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Concert de klaxons, scooters pétaradants et fumigènes, la fête bat son plein avant de dégénérer vers minuit. Alors que les manifestants tentent de rallier le vieux port, l'accès leur est interdit. Des heurts éclatent alors avec les forces de l'ordre visées par des projectiles. Pour disperser la foule, la police recourt au gaz lacrymogène. Pendant ce temps, les marins-pompiers sont à pied d'œuvre pour éteindre les feux allumés par certains supporters. Les échauffourées se poursuivent jusqu'aux premières heures du jour. Vers 1h du matin, 6 personnes avaient été interpellées à Marseille. Et oui, hier soir, l'Algérie s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est donc au total 282 personnes qui ont été interpellées des suites de cette victoire et 249 ont été placées en garde à vue. Surtout par rapport à ce sujet, on aimerait s'intéresser à l'hystérie des supporters de foot, que ce soit voilà par rapport à cette équipe ou les autres équipes qui remportent un match et ces fans qui voilà deviennent un petit peu hystériques. Est-ce que vous comprenez ce genre de comportement? Est-ce que vous aussi vous êtes fan de foot ou bien vous voyez les choses différemment et vous pensez qu'on peut exprimer sa joie autrement? En tout cas, on attend vos interventions, que ce soit par rapport à ce sujet ou que ce soit par rapport à l'affaire François de Rugy ou sur un tout autre thème, car voilà, on a commencé l'émission avec une antenne libre. Vous êtes la bienvenue sur 95.2. Il suffit de composer le 08 92 23 95 20. Et tout de suite, on va accueillir Paul. Bonjour Paul. Bonjour Morgane, bonjour à toutes et à tous. Oui, enfin, j'interviens parce que je suis extrêmement choqué des nouvelles là, récentes. Enfin, il y en a tellement qui sont assez bouleversantes. Et j'avais entendu rapidement l'autre jour, d'ailleurs, un auditeur qui se plaignait que Rugy soit comme ça brocardé. Il expliquait d'ailleurs que ça venait d'un article en partie en dehors de Mediapart qui venait d'un journal, disait-il, d'extrême droite, et il avait cité pour ça l'Express,
comme si l'Express était connu pour être d'extrême droite. Enfin, c'est plutôt un journal d'extrême centre ou de droite modérée. Mais bon, il n'a pas été repris. C'était pas toi, Morgan, qui était à cette époque-là à l'antenne. Donc, c'est une erreur factuelle que j'ai voulu signaler. Bon, moi, j'ai entendu parler de cette affaire qui me passionne pas outre mesure parce que le personnage de Rugy n'a jamais imprimé pour moi. Je le trouve, je sais pas, enfin, un manque de charisme ou de conviction. Je n'ai jamais entendu un discours écologique qui tienne debout ou qui m'ait, on va dire, ému de sa part. Et je voulais apporter quelques informations complémentaires parce que depuis qu'il a dit en fait que le homard lui aurait été servi à la suite de son plein gré, comme on disait là, à l'époque dans les guignols de Richard Vienck, c'est tout à fait faux puisque depuis a téléphoné dans les radios un cuisinier, enfin ou un maître d'hôtel qui travaillait à l'Élysée, qui a travaillé dans différents ministères, et cette personne qui a téléphoné donc a expliqué que les ministres ou les personnalités donc qu'on servait n'avaient pas forcément d'idées et qu'on leur proposait 4 ou 5 idées de menu, surtout quand ils recevaient par les cuisiniers. Et ce sont eux qui choisissent en dernier sort. Donc il a forcément, lui, en tant que président de l'Assemblée, puisque c'est pour cette fonction en fait qu'il est impliqué par Mediapart, il a forcément eu les menus qui lui ont été présentés et c'est lui qui a accepté ou entériné le homard, parce qu'il dit « Ah mais moi je n'aime pas ça », etc. Enfin bon, il a l'air de dire qu'il est extrêmement choqué. Je ne sais pas, il aurait peut-être préféré une assiette de riz. Enfin tout ça, c'est grotesque comme défense. En plus, avec en ayant l'air d'être ému ou de pleurer à l'antenne, enfin, ça manque de virilité, tout ça, c'est répugnant. Et depuis d'ailleurs, en fait, c'est faux, il ment, parce que les menus leur sont systématiquement présentés. S'ils n'ont pas d'idée, on leur présente 4 ou 5 plats différents, et ce sont eux qui donnent... c'est normal, enfin, en fait, c'est la personnalité auprès duquel on sert, à qui on demande l'agrément du menu, hein, ça se fait comme ça, voilà, comme dans les grandes tables. Et puis depuis d'ailleurs, il y a des internautes sont formidables parce qu'on voit qu'ils veulent censurer Twitter d'ailleurs avec la loi Avia là, parce que les internautes, il y a des gens qui vraiment sont me ravissent chaque jour. Ils ont trouvé une photo de lui, alors non pas dans ses fêtes là, moi je les avais pas vues les photos, hein, j'en ai vu quelques-unes, effectivement il a des pétales de rose, il dîne en tête à tête avec grand chandelier à l'hôtel de la Sède, donc à l'Assemblée avec son épouse, bon ben elle a dû être ravie, hein. Et il n'y a aucun invité, ils sont tous les deux en tête à tête. Et puis, les internautes ont montré une photo où il est entouré donc de 2 femmes. Il y a sa femme, son épouse, qui est journaliste, je le rappelle, à la revue Gala, revue People, on va dire, et une autre femme, donc il est entouré de 2 femmes. Il est dans un restaurant, je dis bien dans un restaurant, donc où il paye, où il a une note de frais, j'en sais rien. Et qu'est-ce qu'il a dans son assiette? Des fruits de mer, un homard, et dans son verre, du vin. Donc, restaurant, on choisit, non? Voilà, donc ça vous pouvez le trouver, hein. Vous tapez de Rugy, puis vous lisez le fil des Twitter qui sont faits à son propos, vous verrez qu'il est en photo, donc dans un restaurant où on choisit son menu, mais là c'est lui qui choisit, et il a un homard de servi avec du vin, donc quand il dit qu'il aime pas ça, au restaurant, il va nous faire croire aussi qu'on lui met de force un fruit de mer, des homards dans son assiette et du vin. Bon voilà, on a appris aussi à la radio ce matin qu'il n'aurait pas payé complètement je sais plus quel impôt, enfin il a un problème avec les impôts, alors il dit que il a fait un don en fait à son parti politique, à sa défense, que dans les soirées on a appris qu'il avait invité Rafi, qui est un journaliste du Nouvel Observateur, celui qui a été si agressif avec les Gilets jaunes, là, comment il s'appelle, là, celui qui a un crâne en peau de fesse, là je sais plus son nom, Apathy, voilà, Apathy, qui... dit avoir été invité par sa femme, qu'il était réticent, qu'il n'y serait pas allé s'il s'agissait que de lui, pour flairer, enfin pour faire plaisir à madame, qui est amie la femme de Rugy, il y est allé quand même, et Rafi, lui, qui est au Nouvel Obs, donc qui est plutôt un journal de gauche, dit qu'il y est allé pour aller prendre des informations, faire son travail de journaliste. Non mais on se fout du monde, quoi. Et bah voilà ce que je voulais dire le concernant. Donc bon, bah il vit grassement aux frais de la princesse, c'est-à-dire de nous tous, voilà, qu'il l'admette. Il y a des crus qui valent 500 euros. Bon, ça, c'est peut-être pas uniquement de sa faute. C'est des crus qui sont valorisés parce que depuis Chaban-Delmas, il y a une cave qui s'est constituée de Bordeaux, une grande crue réputée. Mais enfin, il répugne pas à les faire ouvrir et il doit en connaître la valeur. Ou alors sinon, si au sens bilanciel, l'Assemblée nationale n'actualise pas ses actifs,
Normalement, on est censé le faire. Hein. Les vins sont fait partie des stocks de l'Assemblée nationale, mais n'appartiennent ni à l'autorité qui vit, c'est-à-dire le président de l'Assemblée. Ils appartiennent à la République. Donc, normalement, on doit valoriser les stocks et les mettre au prix du jour. De toute façon, ils ne doivent pas être ignorants du prix que peut valoir, je ne sais pas, moi, de quel vin il s'agissait. Mais enfin, ça devait être un Bordeaux réputé et ancien, hein, comme un Château Margaux ou un vin du même acabit. Voilà. Alors, juste, Paul, par rapport aux différentes informations que tu as partagées avec nous, ce chef qui travaillait à l'Élysée, voilà, qui disait que c'était les ministres qui choisissaient le menu, etc. C'était sur quelle chaîne? Et puis aussi, par rapport à la photo... RMC. J'aime pas écouter cette radio, mais oui. C'était RMC. Aux grandes gueules, ils se sont fait prendre, là, d'ailleurs. ils boudaient, parce que comme ils avaient l'air de défendre... Enfin, de toute façon, RMC, c'est une radio... qui défend le pouvoir, quel qu'il soit. Ils ont l'air comme ça de vouloir donner la parole à des gens, enfin, avec un titre qui s'appelle Les Grandes Gueules, qui est bien ronflant pour ce qu'ils sont. D'ailleurs, on a appris d'ailleurs sur cette radio, RMC et BFM, aller sur le site, comment il s'appelle, là, Le Média. Il y a une émission qui est très intéressante où parle un ancien de la DGSE, enfin, qui a travaillé pour les services secrets, qui a fait quelques dénonciations aux impôts. Il a été infiltré comme... dans un cabinet d'avocat, dans un paradis fiscal, et il explique comment BFM, enfin sa maison mère, fait pour blanchir son argent ou comment éviter de payer des impôts ou diminuer ses impositions en France. Hein. Voilà, une radio qui, avec des... Enfin bon, tout ça, c'est pathétique. Et la photo, comment est-ce qu'on peut la retrouver? Parce que moi, j'ai trouvé, par exemple, là, une photo, c'est un peu flou, on n'arrive pas à bien voir dans les assiettes. Si tu peux partager ta source aussi par rapport à ça, les mots-clés pour retrouver... Moi, je ne l'ai pas renoté, hein, mais enfin, il faut prendre le fil Twitter, la photo, elle est tout à fait claire. Prenez Twitter, vous tapez De Rugy et vous verrez, il y a une photo, il est au restaurant avec son épouse et une autre dame, et donc il a un homard dans son assiette et il a du vin, voilà. C'est une image qui existe, ou alors à moins qu'elle ait été retirée, je l'ai vu ce week-end. Je veux dire, c'est pas une affaire qui m'intéresse, comme ça le personnage ne m'intéresse pas, mais bon, on en a tellement parlé, j'ai fini par regarder. J'ai dit, tiens, peut-être il a raison, je regarde sa défense. Bon, la photo, elle a été publiée, elle existe, elle est sur Twitter. Bon, et puis le cuisinier qui a appelé, ou qui est maître d'hôtel, je ne sais pas, il a appelé aux grandes gueules, réécouter l'émission, elle dure 3 heures. Hein. Donc, je sais pas, j'ai pas noté l'heure et la minute précise à laquelle il a appelé. Il a appelé pendant cette émission, c'était jeudi ou vendredi, où il a expliqué comment ça se passait. C'est-à-dire que les minutes... Mais écoute, Morgane, tu crois que un ministre ou un président de l'Assemblée se fait servir n'importe quoi, qu'on ne lui présente pas, surtout quand c'est un dîner de gala ou quand il reçoit le menu au préalable? Ben, écoute, c'est pour que les auditeurs puissent retrouver rapidement, voilà, ces différentes informations que tu vas partager avec nous, Paul. Non, voilà. C'est normal. Évidemment qu'on lui présente. On lui présente. Là, on lui présente pas un, on lui présente un choix de 5 plats possibles. Voilà ce qu'a dit cette personne dans cette émission. Bon, alors j'en finis avec De Rugy. Et puis concernant là, ce que j'ai entendu à propos de ceux qui soutiennent l'équipe d'Algérie. Comment se fait-il que ça se passe bien en Algérie, hein? Apparemment, ils vont pas aller voler dans les magasins, ils vont pas piller, ils cassent rien. Et quand ça se passe en France, la première chose qu'ils font, ils sortent et ils s'en prennent aux passants, ils écrasent des gens, ils cassent des vitrines, ils volent et ils pillent, hein? Alors, je comprends pas. Moi, j'ai déjà vu des émissions à la télévision où on voit la police qui est capable d'intervenir en 1 minute ou 2 minutes chrono sur les Champs-Élysées pour arrêter un contrevenant. Et là, ils sont pas capables, dans le même délai, d'intervenir. Ils laissent piller un magasin de motos, je crois. Ça a dû donc durer, parce qu'ils ont même essayé de voler des motos. Hein, ils ont pris non seulement des accessoires, c'est un magasin Ducati qui va rester fermé pendant 3 mois. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ces gens-là, ce sont pas des gens qui fêtent une victoire d'une équipe de football. Ce sont des gens qui haïssent le pays, qui viennent et qui disent, on a gagné, voilà, on vous le montre et puis on vous emmerde. Hein. Voilà ce que j'en pense. Donc, tous ces voyous-là, ils doivent être jugés rapidement et jugés sévèrement. Voilà, j'en ai terminé, Morgane. Eh bien, merci pour ton intervention, Paul. Au revoir. Est-ce que tu es toujours avec nous, Paul?
Non, il est parti. Oui, vu que c'était aussi une antenne libre, c'était pour voir si Paul avait envie de réagir sur un autre sujet ou pas. En tout cas, vous avez la parole sur 95.2 FM. Vu que vous n'aviez pas trop d'inspiration au début de l'émission pour l'antenne libre, j'ai partagé avec vous ces deux différents sujets présents dans l'actualité et qui suscitent quand même pas mal de réactions, de discussions dans les chaînes d'information. Alors, c'est premièrement par rapport aux enquêtes sur le mode de vie de François de Rugy, et puis il y a aussi pas mal de discussions sur ces débordements qu'il y a eu suite eh bien, à cette Coupe d'Afrique des Nations avec la victoire de l'Algérie hier soir. Il y a eu pas mal d'interpellations, comme vous l'avez suivi. On peut essayer d'en savoir un petit peu plus, connaître les réactions de différentes personnalités politiques aussi, pourquoi pas. Mais on peut aussi aborder d'autres sujets qui vous intéressent en ce moment. On attend vos interventions sur 95.2. Il suffit de composer le 08 92 23 95 20. Alors, puisqu'on a commencé à parler des débordements qu'il y a eu hier soir suite à un match de foot, eh bien, il faut savoir que dimanche après-midi, il y a eu aussi des dizaines de personnes, dont d'après les informations des Gilets jaunes, qui sont parvenus à investir les Champs-Élysées dans un face-à-face tendu avec les forces de l'ordre à l'issue voilà, du défilé militaire du 14 juillet. Alors voilà, le calme est apparemment revenu progressivement en fin d'après-midi, mais il y a eu quand même quelques débordements, l'hystérie des supporters de fans ou l'hystérie des gens en général. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez ce genre de comportement ou pas? Quelles sont vos réactions? Quelles sont vos différentes réflexions? Alors, il y a eu des tweets, des interventions télévisées de personnalités politiques, mais pas seulement, aussi voilà, d'internautes, etc., qui ont donné leur avis sur ce sujet. Justement, on va essayer de voir tout ça dans quelques instants, mais avant tout, on aimerait quand même avoir quelques interventions de votre part pour voir qu'est-ce que vous avez à nous dire voilà, sur ces sujets qui, en tout cas, suscitent pas mal de réactions dans l'actualité en ce moment. Et comme c'est une antenne libre, il se peut que vous ayez aussi envie de parler d'un tout autre sujet qui vous intéresse en ce moment. Alors, il suffit bien sûr de composer le numéro du standard pour être avec nous en direct, et c'est le 08 92 23 95 20. Alors, on a Eva avec nous. Bonjour Eva, on t'écoute. Allô, bonjour Morgane, bonjour tout le monde. J'appelle comme ça, juste. je sais pas encore. Vraiment, tous les sujets sont importants. Moi, je pense que c'est suite depuis donc des décennies, depuis très longtemps, l'hypocrisie, du deux poids, deux mesures. Et voilà, donc, par rapport aux Gilets jaunes, je trouve que, franchement, le gouvernement devrait vraiment faire un effort pour dialoguer avec, prendre rendez-vous avec les gens et dialoguer sérieusement pour parler justement de l'injustice de poids de mesure que les gens n'arrivent pas à vivre. Et moi je déplore complètement cette violence qui s'est passée dans tous les sens, hein, parce que je trouve que c'est pas ça qui va faire avancer nos relations, de vivre ensemble. Moi je suis gilet jaune, hein, vous savez, mais depuis longtemps j'y vais plus justement à cause de ça, parce que c'est juste pour avoir des relations d'agressivité verbale ou physique, ou de voir la police, et puis ça mène à rien. Donc c'est vrai que j'ai un peu lâché, mais je suis de tout cœur avec eux, mais je vais plus aux manifs. D'autre part, moi je suis d'origine maghrébine, et ça me fait vraiment de la peine, parce que quand je vois des gens mal agir comme ça, du coup ça se répercute sur tout le monde. Déjà on fait plein d'efforts, on est vachement malheureux, quoi, en tout cas moi, parce qu'on se sent tout le temps mal aimé, discriminé. Bon, il n'y a pas que les Robeux, mais disons que les Français aussi, donc à cause du deux poids deux mesures. Mais en plus, si on est Robeux,
d'origine maghrébine, c'est encore plus grave. Et donc ce qu'ont fait là les jeunes Algériens, cette violence, comment dire, c'est vraiment pas sympa et c'est grave quoi. Parce que ça se répercute déjà si les gens sont un petit peu anti-étrangers, bon bah ça va aggraver encore plus la situation. Donc là sur ce problème, je pense que c'est vrai que la France et l'Algérie devraient eux aussi se mettre à table et discuter sur les trucs du passé pour que cette haine qui existe des deux côtés sorte, parce qu'elle a rien à voir avec les gens d'aujourd'hui, mais malheureusement les gens d'aujourd'hui ils continuent. Moi je sais que parfois je discute avec des Algériens et puis ça finit toujours mal parce que au départ c'est cool, ouais je suis français machin et tout, puis après il me dit non, moi je pardonnerai jamais par rapport au passé, mais tout ça on le voit, on l'entend dans la rue, mais c'est pas dit, je sais pas, comme il a fait Mandela, des discussions pour que les gens vident un peu leur sac, etc., trouver une solution de réparation, déjà de reconnaître, et je pense que voilà, le problème de tout ce qui va pas, c'est qu'on laisse pourrir les choses, les médias s'en servent uniquement parce que, juste comme ça pour en parler, mais ils proposent pas des vrais dialogues donc d'État, comme ils ont fait là, ce qu'il a récupéré Macron là, ces discussions, mais il a pris toujours les gens nantis pour discuter entre gens nantis. Donc là il faudrait faire quelque chose un petit peu plus plus concret envers les gens qui vivent vraiment cette histoire de deux poids deux mesures, que chacun vide son sac, qu'on trouve des solutions de réparation et qu'on pense à l'avenir. Nos enfants, franchement, on va faire quoi? Moi, je vois tous les autres étrangers qui sont, entre guillemets, pas noirs et pas arabes, en tout cas qui n'ont pas une origine ou musulmane ou un petit peu comme ça, ils s'en sortent, même si ça fait que 5 ans, 6 ans qu'ils sont en France, ils s'achètent des baraques, ils vivent mieux que les Français, etc., parce que eux, ils vivent en communauté. Et ils mettent toutes leurs payes entre eux. Les Philippins, moi je vis dans le 8e là. Les Philippins, c'est pareil. Ils se marient, etc. Nous, bon, bah, on sort avec nous, puis après on nous jette comme de la merde, etc. Donc moi franchement, ça me fait de la peine, mais j'attends toujours qu'on m'aime, parce que moi je vous aime. En tout cas, j'aime les Français, j'aime la France, je suis un petit peu, j'ai l'âme française, et donc je vais même pas dans un pays maghrébin, pourquoi pas, parce que je l'aime pas, mais par respect, parce que leur culture en tant que femme, et même si j'étais un homme, ne me plaît pas, donc j'y vais pas. Je me dis un jour ils vont changer peut-être, j'irai, mais pour le moment j'y vais pas, et pourtant je suis d'origine maghrébine, mais j'irai pas les changer, je vais pas leur dire oui, voilà, tout ce qu'on a fait d'ingérence, ça a aggravé tout quoi. Donc moi, ce que je pense, c'est que les nantis de toute notre planète, ben en fait, ils s'en sont pas aperçus, mais ils ont créé, ils n'arrêtent pas de créer des fossés entre tout le monde. Et quant aux Algériens, s'ils n'aiment pas la France, et ben en fait, il faut pas qu'ils restent en France, parce que l'argent, ça n'a rien à voir avec. Il y a toujours des solutions, quoi, je pense. Parce qu'en tout cas, on ne peut pas vivre comme ça dans un pays avec la haine. Et puis, dès qu'il y a une fête ou je ne sais pas quoi, venir tout casser, piller. Et les gens qui sont d'origine algérienne, qui vivent en France, ou maghrébine, on va dire, qui aiment la France et qui sont français, qui sont d'accord à faire de la politique, à défendre leurs droits, mais qui respectent notre pays... c'est eux qui trinquent, hein, c'est pas les petits jeunes ou les petits casseurs, hein, ils en ont rien à foutre justement. Donc voilà, donc moi c'est ma réflexion, en tout cas c'est plutôt mon ressenti, parce que j'ai même pas le temps de réfléchir, de parler d'une façon un peu, on va dire un peu plus, un peu mieux, pour que c'est plus élaboré. Mais voilà, donc moi je dis que tout se rejoint. En fait, les gilets jaunes, c'est aussi un petit peu la même chose. On refuse de dialoguer avec eux. On prend toutes leurs idées. On en fait des fausses lois. On fait l'écologie, c'est pareil.
on prend ça, on met ça dans le système spéculatif, etc. Et en fait, mais dans le fond, on ne fait pas les choses correctement. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on discute tous ensemble pour qu'on fasse les choses correctement. Il y a des choses qui ne vont pas. On en discute. Bon, je donne un exemple de l'écologie. Bah, ça va pas. Et ben, on stoppe une bonne fois pour toutes de faire la fabrication du plastique. C'est sûr, ça va créer des problèmes au niveau, d'emploi. Mais il y a toujours une route, une bonne voie pour que les gens, ils puissent tout de même vivre correctement. Il y a toujours des solutions. Nous, on fait juste des choses comme ça, un peu superficielles. Je dis nous, dans le monde entier. Et on donne les manettes à des gens que l'on croit qui sont sérieux. En fait, ils ne le sont pas du tout. Au contraire, eux, ça leur plaît, qu'il y ait le bordel. Ça leur plaît parce que c'est toujours eux qui en récoltent les fruits. Maintenant, ils veulent aller faire une armée dans l'espace. Vous vous rendez compte, ça coûte des milliards. C'est complètement débile. Au lieu de stopper tout ce qui blesse, tout ce qui tue, tout de suite, là, maintenant, voilà, et faire des choses positives à base de réparation. Voilà, je reviens toujours à stopper tout ce qui blesse, tout ce qui tue, même les paroles, et réparer le passé, parce qu'on ne l'a pas fait. Avant, les gens, ils étaient complètement... c'était comme ça. Il y avait des guerres, il y avait des injustices. Et puis après, on est dans un monde moderne, tout le monde se mélange. Mais finalement, les haines, elles sont restées et on discrimine toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de la haine et de la violence. Voilà, donc, c'est ce que je voulais vous dire, Morgane, et d'accord, un petit peu à tout le monde. Qu'on essaye un petit peu de trouver une solution, de vraiment mettre les choses à plat pour faire des choses concrètes et sérieuses pour réparer. Déjà, réparer. Très bien, bien, merci pour ton intervention, Eva. On a aussi Michel avec nous, on va l'accueillir à présent. Bonjour Michel. Michel, est-ce que tu peux éteindre ta radio, s'il te plaît? On va t'écouter et tu peux donc parler à travers ton combiné de téléphone. Mais voilà, éteins ta radio, s'il te plaît. Bonjour Michel. Bonjour. Oui. Alors, je suis à l'antenne, là, oui. Oui, tu es à l'antenne, Michel, on t'écoute. Bonjour, là, je me rejoins d'ailleurs à la jeune fille là, qui vient de terminer son message, parce que je prends ici radio maintenant, je dis, tiens, je vais écouter cette radio. C'est bien intéressant, les émissions qu'ils font et autres, hein, où chacun peut s'expliquer. Mais écoutez, est-ce que vous vous souvenez où on a rapporté la Coupe de France, Stade de France, Ciné-Lé, où la France a été championne du monde. Vous vous souvenez de ça? Et de merveilleux, comment je dirais, communion qu'il y a eu sur les Champs-Élysées la nuit, et le jour où tout le monde s'éteignait, s'embrassait, où il y avait vraiment une fraternité, une communion d'esprit absolument merveilleuse. Hein. Même les Italiens disaient, cette fois-ci, vous les Français, vous avez vraiment fait quelque chose. Hein. Vous avez enfin remporté une Coupe du Monde. Vous y soyez habitués. Hein. Bravo les Français, bravo l'équipe de France. Hein. Et il y avait l'esprit Zinedine Zidane. Hein. Donc c'est autre chose. Hein. À Laurent Blanc et toute cette merveilleuse équipe de France qui a fait ses preuves et qui a gagné la Coupe du Monde. Il y a eu cette fraternité, cette communion toute la nuit et le lendemain, la journée, ça a continué. Hein, où il n'y a pas eu d'incident, c'était tout le contraire, pas de vol, pas de magasin pillé, pas de violence envers les gens. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Vous savez, la communauté algérienne, mon avis,